Allez, c'est parti. On va aller voir les six petits derniers signes. Pour toi qui es scorpion, poisson, toc, gémeaux, sagittaire, balance et le petit dernier, verseau. Si tu te trouves pas dans ces six signes-là, il y a une vidéo qui est sans doute déjà postée avec tes signes. Donc, n'hésite pas à aller la chercher. On va aller voir comment ça bouge pour toi sentimentalement ce week-end. Voir s'il y a des choses qui se mettent en place ou pas. En tout cas, pour ceux d'avant, il y a énormément de choses qui bougent. Allez, c'est parti. Bon. Tu as osé demander quelque chose et on te dit, ose demander, ça te sera accordé. Ce week-end est clairement mis en avant par rapport à ça. Il y a quelque chose que tu as demandé, profondément, quelque chose que tu voulais. Et on te dit que enfin, ça y est, tu es récompensé, tu vas avoir ce que tu as demandé. Un choix. Ouais, il y a une décision. Il y a une décision qui est prise ou une décision qui va être prise. En tout cas, c'est quelque chose d'initiatique que tu n'as pas l'habitude de faire ou du moins d'approuver ou de désapprouver. Il y a beaucoup de mouvements pour vous ce week-end. On est pareil sur la sensation de 24 heures. Il y a une porte, cette porte, elle m'indique en fait, alors je sais pas. On est sur quelque chose pour moi d'assez imminent parce que c'est quelque chose qui arrive que tu vois pas arriver, mais c'est quelque chose que tu as demandé. Donc, il y a bien une décision qui est prise sous 24 heures de ta part ou de la part de la personne de ton cœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Ok. Est-ce que la personne de ton cœur est totalement libre ou est-ce que toi, tu es aussi totalement libre? La prise de décision, en tout cas, c'est envers une personne tierce. Est-ce que c'est pour indiquer une fin de relation, pour vivre sereinement aujourd'hui ta relation si tu te, tu, si tu te, hop, top, 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 si tu te retrouvais dans une triangulaire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger durant le week-end. Je sens que ça va remuer dans les chaumières. Clairement, la prise de décision, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. On ne prend pas une décision comme ça, surtout celle-ci, comme ça, d'un commun accord en disant ouais, hop, hop, ça y est, je me lance. C'est quelque chose qui a été clairement mûrement réfléchi. Est-ce pour te laisser l'opportunité de vivre la relation d'amour que tu as avec la personne de ton cœur? Ça peut aussi être ça. En tout cas, tu es protégé et tu es attiré. Vous êtes attirés inévitablement l'un à l'autre. Il y a eu une personne tierce certainement qui a bloqué un petit peu l'avancée de votre relation. En tout cas, pour moi, il y a une prise de décision qui est prise ce week-end, sous maxi 24 heures. Quelque chose que vous avez souhaité, toi et la personne de ton cœur. C'est un choix qui est mûrement réfléchi, initiatique, quelque chose que tu n'as jamais vécu. En tout cas, tu vas avoir le message. Ça veut dire qu'on va te prévenir. On va te dire, il se peut que la personne de ton cœur te dise, ça y est, j'ai enfin posé les choses, j'ai enfin dit les choses, j'ai dit à la personne avec qui j'étais que c'était terminé et que j'avais clairement envie d'avancer. Est-ce qu'il a parlé de toi? Ça, j'en sais pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'était une décision qui est nécessaire. En fait, il était temps. Ça y est, enfin. Tu as la sensation peut-être que d'avoir de la culpabilité par rapport à cette fin de relation, mais on te dit que tu n'as pas à culpabiliser d'aimer une personne parce que l'amour nous choisit. On ne choisit pas d'aimer une personne qui peut-être n'est pas disponible. En tout cas, elle met en avant cette triangulaire aujourd'hui. Et ça t'annonce. Ah, je trouve ça trop beau. Ça t'annonce clairement le retour de l'être aimé à tes côtés. Alors, ça a été compliqué. Franchement, on sent qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées. Tu vois, tes prières ont été entendues. Ça y est, enfin, les choses bougent là pour toi ce week-end. Donc, je sens que ça va être assez sport. Ça va être assez chaud. Mais quelque chose de juste magnifique arrive pour toi. Quoi te dire de plus? Que c'est une totale réussite, que vous le méritez, que vous méritez d'avoir votre bonheur indépendamment des autres, même si forcément à un moment donné il y a des dommages collatéraux. Bah ouais, ça, il y en a un peu partout dans toutes les décisions qu'on prend. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu vas enfin vers la relation que vous avez toujours osé croire.